Parce que je l'ai aussi avancé avant en position 1-1 et on attend. Parfait. Lâche les freins. Suis la ligne jaune. Un vrai pilote, il a juste une main sur le volant. L'autre main est sur les gaz, soit sur la mixture, sur le carby. Parfait, l'avion en décolle tout de suite, fait qu'elle ne sera pas dans les jambes. Fait que là, on va se placer et on va arrêter ici. Parfait. As-tu vu les nuages, les petites formes de nuages? On va scier là-dessus pour monter, parce que quand on va être en montée, on ne voit pas à terre. Fait qu'on va s'en aller avec le, comme le petit V qui est dans le nuage, juste, prends-toi n'importe quel dessin. On va suivre ça pour s'en aller en ligne droite avec la piste quand on va être en montée. Fait que quand tu vas être prêt, ton manche comme ça, faut que tu le mettes au neuf. Il y a à peu près 3 doigts ici. Il y a 3 doigts environ. Faut que tu le maintiennes comme ça. Quand tu vas mettre la puissance au fond, cette main-là, faut pas qu'elle soit sur le manche. Faut qu'elle soit ici. Quand tu vas mettre la puissance au fond, tu vas tenir tout le long de la montée, tu vas tenir ta puissance. Faut pas qu'elle sorte. Sinon, on n'aura plus de puissance. Fait que quand t'es prêt, oublie pas que le nez va vouloir aller à gauche. Il va falloir que tu mettes un petit peu de palonnier à droite. Mais tu vas le voir. On veut s'en aller en ligne droite. Quand t'es prêt, vas-y. Descends tes pieds pour pas toucher au frein. Parfait. Mets un petit peu de palonnier à droite. Parfait. Quand je vais te le dire, tu vas tirer un petit peu sur le manche. On a une bonne vitesse, notre RPM. Parfait. Tire un petit peu. Attends. L'avion va décoller tout seul. Pousse un petit peu. Pousse encore. Comme ça. Maintiens ton nez comme ça. Faut pas qu'il descende, faut pas qu'il monte. Même si tu vas pas en avant, tu le vois sur les côtés. Tu vois-tu la ligne d'horizon? Là, tu le vois en avant de ton capot, là, sur le côté. OK, Mathieu? Info, 126. Tu vas tourner. Écho Limo Bravo. On va revenir sur l'autre côté. Nous sommes à 1600 pieds en direction de... Nous sommes à 40 et 640. Parfait. En direction de... Ramène ton manche de droite. Regarde, l'avion continue à tourner. Écho Limo Bravo. Attention, faut que tu regardes en avant, Mathieu. Parce que si tu regardes trop sur le côté, regarde ton avion ce qu'elle peut faire. Elle peut faire ça de même parce que ça rentre pas compte. Reste assis droite. Regarde ce qu'elle fait, puis là, elle tombe vite. Regarde. Regarde la vitesse, regarde. On tombe 1500 pieds minutes. OK? C'est bon? OK. Laisse-moi les commandes. Je vais te montrer c'est quoi le bruit. Laisse-moi les commandes, OK? Juste en remonter à 3000 pieds. Contactez Golf 5 Delta 2. T'es prêt? Faut pas que tu touches aux manches, OK? C'est bon? C'est bon, regarde en avant, Mathieu. C'est bon, t'es correct? Non, reste droit, touche pas aux manches, touche pas aux manches. C'est bon? Youhou! Ça, c'est une vrille. Aillon, ça fait en direction bon. Québec à 3050 pieds. Je vais te faire un petit jet négatif, OK? Oh, encore! Ça, c'est des jets positifs. Un jet négatif, là, les choses, ils lèvent toutes. Regarde, qu'est-ce que je pourrais te donner que tu pourrais mettre dans tes mains? Ah ouais, mais il va lever, mais que tu peux mettre dans tes mains. My butt? Non, tu vas le perdre. Tu vas tenir ça comme ça dans ta main. OK. OK? Tiens-le comme ça, mais quand il va s'envoler, tiens-le pas. Laisse-le partir tout seul. Tiens ta main de main, puis laisse pas ta main monter. Fais juste tenir ta main raide. T'es prêt? Regardez s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. OK? Un petit peu. T'es prêt? On se fait un jet négatif. Oh, on a trouvé des lunettes. Ils étaient dans mes poches et ils ont sorti. C'est bon? T'es prêt? On va juste regarder s'il y a un trafic. Si t'es en montée, là, Mathieu, puis tu regardes sur le côté, c'est ça qui va arriver avec ton avion. Regarde, tu sais, je regarde sur le côté puis ça ferait monter. Il va arriver si je me rendrai pas compte que mon avion va décrocher. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder en avant. Regarde comment mon nez est élevé. Si tu regardes sur le côté, l'avion, elle va pousser, elle va décrocher, puis elle va tomber de même.
C'est là, tourne. C'est bon? Youhou! Youhou! La voix? Pousse sur ton manche un petit peu. Faut pas qu'on décroche. Passe un petit peu plus par là. Masco, je le Sierra Sierra, final 1. Masco, c'est à peu près 2 km, on tourne en manche en RT1. Parfait, pousse sur ton manche un petit peu. Et mets ton cadre droit. Mets les droits. Comme ça. Comme ça. On se laisse aller s'écraser sur la piste, c'est ça le truc. Masco, je suis à 2 km, on tourne en début dans l'arrière pour la 1. Ça va bien? On laisse l'avion descendre. Elle descend tranquillement. La puissance, ça fait juste aller plus loin ou moins loin. Ok, on va aller chercher l'axe de piste. Parfait. On coupe la puissance. Quand je vais te dire, ok, tire un petit peu, puis regarde à l'autre bout. Maintiens-les de même. Bouge plus. Bouge plus. Bouge plus du tout. Ok, tire. Bouge plus. Tire un petit peu, puis bouge plus. Là, on est posé. Oublie pas, c'était palonnier pour t'en aller droite sur la piste. Freine tranquillement. Tu tires sur la manche et la roue qui fait plop plop en avant. Freine tranquillement avec les deux paniers. Parfait. Oups, un petit peu plus sur l'autre bord. Plus à droite. Plus à droite. Ok. Plus à gauche. Et on va sortir le feu. Je comprends pas qu'il y ait des whisky. Début, vent, arrière. Quand Craig est là. Ok. On va sortir ici. Ton manche complètement au fond. On va arrêter ici. Tu vas dire Mascouche. Zulu Sierra Sierra, piste 1-1 dégagée. Mascouche. Zulu Sierra Sierra, piste 1-1 dégagée.